Toko senga mingi na exécutif, premier ministre, tous ali na défi à tamisato, mais ali bosu mingi mingi zali nini balabala, barelier biso, Kisangani, Buta, Buta Ndou, Aketi Bumba, barelier biso, Buta Isiro, barelier biso, Buta Kisangani. Moni, ça fait longtemps, bisizai au tambour. Ngai moko na jipi na na kobima 5 heures na komina banalia ina fait de 200 quelques kilomètres na kadisi na première traversée na 8 heures et 12 heures na zona Kisangani, mais pour le moment c'est difficile parce que na bimi na jipi ata vide na de plusieurs vide na zo sala 2 jours na nzela pour na koma puta vraiment bater la biso liboso barabara le reste va suivre parce que la route ezali moko na element clé. On a tombé en boc. Ce qui parle des alités, beaucoup tongate, par exemple, dans Wikoloba, et pas d'ambition à Bouta. Un sac de ciment, c'est 75 000 francs. 75 000 francs. Et quand vous construisez au Bazouéré, et ici à Kinshasa, c'est 4 maisons. On a pas matériel à construction. À Kisangani, c'est 2 maisons. Donc, tu dis qu'on n'a pas si, beaucoup d'ambition, province d'ambition, pour le tambour, il faut balabala. Ndeto kotala sikoyo makambo ya courant, makambo ya mai, parce que ba investisseurs tozali na or, tozali na forêt, forêt zana makambo ebele nzete, toutes sortes ya richesse, tozali na diamant. Po ba investisseurs ba ya, il faut barabara, ce qui barabara les ate non. Et possiblement ba anje na bango ekokene ndenge ni des problèmes. Vêtus de leur cocarde aux couleurs nationales, les sénateurs de la 4e législature de la 3e République ont repris le chemin de l'hémicycle ce lundi 16 septembre 2024, comme le stipule l'article 115 alinéa 2 de la Constitution, au cas où la date de l'ouverture de la session tombe un jour férié ou un dimanche. Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat, a lors de son remarquable discours d'ouverture, épinglé avec clairvoyance la situation générale de la nation. Tout en reconnaissant les efforts consentis par le premier des Congolais et le FRDC, le speaker de la Chambre haute du Parlement a joint sa voix avec celle du chef de l'État pour exiger de sanctions claires à l'endroit des auteurs de cette insécurité. Nous ne pouvons ignorer ni minimiser l'application probante de certaines multinationales, d'une part, de certains pays voisins d'autre part, qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. Il est donc essentiel que la communauté internationale prenne des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. Nous exigeons des sanctions appropriées à l'encontre des responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de génocide commis en République démocratique du Congo. Le sénateur n'étant pas au grand complet et certaines assemblées souffrant de la non-organisation des élections dans leurs entités, le speaker de la Chambre haute du Parlement a exhorté la CENI à travailler avec célérité pour la régularisation de cette situation. Force est de constater que le retard observé dans l'organisation des scrutins ne sont pas sans conséquence dans la consolidation de notre jeune démocratie. En effet, consécutivement à l'annulation des élections dans les circonscriptions électorales de Massima Nimba, dans la province de Kwilu, et de Yakoma, dans le nord Bangui, ainsi que la non-tenue des élections dans les territoires de Kwamout, dans la province du Mala Ndombe, de Rutshuru et Masisi, dans la province du Nord Kivu, notre Chambre se trouve amputée de certains de ses membres. Il en est de même des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux, des dites entités qui jusqu'à ce jour ne sont pas fonctionnelles. Ainsi, nous exhortons la Commission électorale nationale indépendante d'agir avec célérité et rigueur pour l'organisation des élections manquantes. Un autre sujet, et pas le moindre, abordé par Jean-Michel Samalou Kondé, c'est le manque d'un siège propre au Parlement, le Palais du Peuple n'étant pas le leur. Le président du Sénat compte travailler en connivence avec son collègue de l'Assemblée nationale afin de doter les parlements
d'un siège à lui. Mbote, honorable sénateur. Mbote, na yo mamache. Honorable sénateur, tout le monde m'a dit que le Parlement m'a dit que le Congo démocratique et où tu as dit que la misala na yango. Et tout le monde peut ma première ministre Judith Suminwa a où tu as la peine en gambou ya bureau na bino ya sénat na lisse kulu oyo mokambi ya sénat mwana mboka Samalukonde a où tu koloba eloko nini oyo kanyi penza koloba pona bana ekolo ko démocratique. Merci pona mutuna na yo mama mokwazi sango na kubanda na komila kisa ngai na biengami na kombo ya Edi Pascal Sina Mbakoli baponi ngai na province ya Basse-Uele na mutuna na yo na koloba bwe zali kitoko mingi kuna kumona mambo executive premier ministre Sinoma Judith Azalawana na kutali siku oyo mukambi na biso president Samalukonde ataki po zali na makambo epele po etali bango po bango nde bakosala ndenge nini population na biso ebika malamu na kanisi tofungoli na ebi na ligala malamu pe session budgétaire ce qui te parle na budget donc solo na makambo etali budget ezali recette na dépense na bosali recette sengeli ko dépense ayo ko sali mandenge nini sengeli ko yanula kuna kozwa bolamu ya peuple parce que biso na bango tozali wana kuna kusunga peuple kuna développement ya mboka kuna développement ya peuple. Voilà les londe makamabwe le kani et na sepeli na ko sepela mingi pona mona likamabwe ko kisama parce que ce que tu as discours ce qu'il entait total a pe bango bato selo ko tobi a biso pe to ko landela ko ya wa pona ko contrôler nous ali na article et sa personne qui peut qui sont des ça ya contrôle ya service nyonso. Honorable, c'est sûr, les sessions budgétaires. Nous avons aussi un gouvernement, la première ministre à Sala. Vous avez bien dit que la province est enclavée. Alors, nous avons la province, nous avons aussi un premier ministre pendant la session à Sala. Merci, Miguel. Nous avons tombé à Miguel. Moni promesse ya bazo les ali promesse moko reculé peut-être que tomaka to changer dans l'avenir un combo bas tout ya province du nord où elle est parce que nous nous situons au nord de la république au nord est de la république toko senga mingi na exécutif premier ministre nous ali na défi à tamisato mais ya liboso mingi mingi zali nini balabala barelier biso Kisangani Buta Ndo Aketi Bumba barelier biso Buta Isiro barelier biso Buta Kisangani moni ça fait longtemps bisizai otambola ngai moko na jipi na kobima 5 heures na komi na banalia ina fait de 200 quelques kilomètres na kati si na première traversée na 8 heures et 12 heures dans un Kisangani, mais pour le moment c'est difficile parce qu'il y a des mines à jeep à vide dans des prisons vides dans un salon deux jours dans un là qu'on a comme à bout de ma bataille la mission du bosso barabara le reste va suivre parce que la route les alliés moko n'a élément clé qu'on a tombé en bok ce qui barabara les alliés beaucoup tongate par exemple na wikoloba et pas d'ambition à bouta un sac de ciment c'est 75 000 francs. 75 000 francs. Et quand vous construisez au Bazouélé, ici à Kinshasa, c'est 4 maisons qu'on a pas matériel à construction. À Kisangani, c'est 2 maisons. Donc, tu dis qu'il n'y a pas si beaucoup de la province de Nabiso pour les tambours et pour les balabales. Dès que tu as la Sikoyo, je suis courant, je suis maille. Parce que les investisseurs, tu as l'or, tu as la forêt. Forêt, tu as la makambo et belé, tu as été. Toutes sortes de richesses. Tous les na diamants. Pour investir, il faut barabara. Il faut barabara. Ce qui barabara les athées, non. C'est possible. Des problèmes. Parce que tu as la bien beau outil vacances parlementaires. Pour que le bani ne pour na vacances au bino beau outil. Est-ce que bino na sénat
ils ont qui permettre bino ko sala donc bo sala qui to bo sala qui te parce que bo utiko silisa session na bino na ngonga muke penza o bino bo utiko kende bon ndeke to kei tuzali kuna bato ay parce que bango ne batindi bisawa on n'a pas une barrière devant nous na zwa qui quand même bato ba ko visiter ngai ba ko quand même plainte na zo les hommes d'affaires vraiment je les entends c'est tout un problème sécurité p mon dit surtout ça les frontières na Centrafrique na Soudan ba LRA ba rebelles centrafricains ba zo benga bango ba Serika ils viennent nous attaquer il y a aussi des Mbororo des éleveurs Mbororo donc tout ça souvent traumatisé population ça vraiment tranquillité libre.